Bonjour José euh, Camoun. Ce, bon ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la parution d'un inédit de Jack Kerouac. Euh, et avant qu'on en parle, je voudrais euh, vous présenter en rappelant que vous êtes traductrice de l'anglais, auteur d'une thèse de doctorat sur euh, Henry James, vous êtes une ancienne enseignante. Euh, dans le secondaire, en classe préparatoire également, et puis vous êtes ancienne inspectrice générale de l'éducation euh, nationale. Alors, comme traductrice, vous, vous êtes connue pour euh, avoir pris en charge de nombreux romans euh, américains ou britanniques, notamment des romans de Philip Roth, des romans de Jonathan Coe, euh, Richard Ford, toujours la, côté américain, et puis John Irving, et puis vous êtes également l'auteur d'une retraduction dont il a été beaucoup question il y a quelques années, d'une nouvelle traduction, à vrai dire, de 1984 de George Orwell, qui est apparue donc en 2018 chez Gallimard et qui faisait suite à une traduction déjà euh, très ancienne de 1950 d'Amélie Diberti et précédait d'autres retraductions plus récentes, celles de Philippe Javorski et de Célia Isoar. Et puis, vous êtes aussi, et ça m'intéresse plus pour euh, le rendez-vous d'aujourd'hui, la traductrice de euh, Sur la route de Kerouac, dans sa nouvelle version qui est apparue en 2010. Donc, on en parlera un peu à la fin de cet entretien. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à « L'océan et mon frère », qui est donc un texte de 1943 de Jack Kerouac, qui vient d'être traduit et publié aux éditions Gallimard. Et puis, on abordera dans un second temps, un peu plus rapidement, « Les anges de la désolation », qui n'est pas une parution récente, qui a paru chez De Noël en 1998, mais dont l'histoire éditoriale est également intéressante. Alors, euh, justement, euh, cette histoire éditoriale de L'océan et mon frère est intéressante à plusieurs égards. Bon, il se trouve qu'on célèbre cette année le centenaire de la naissance de Jack Kerouac, euh, d'où sans doute euh, euh, cette parution euh, aujourd'hui. Euh, C'est un roman inédit euh, de Kerouac qui vient de paraître, qui a été traduit par euh, Pierre Guglielmina pour les éditions Gallimard. C'est un roman qui est un roman inachevé. Qui est euh, le premier roman de Kerouac, qu'il a écrit donc en 1943. Donc, ma, que ma première question, c'est comment est apparu cet inédit Et puis, euh, deuxième question qui va de pair avec, euh, avec la première qui est Pierre Guglielmina qui exhumait déjà euh, des textes de Kerouac à la fin du siècle dernier Est-ce que c'est lui qui l'a déniché, ou et comment Voilà, ma curiosité euh, <laughs> euh, m'amène ma à poser ces questions. Il va falloir que vous vous présentiez, que nous présentions Tiffany Gassouk, qui est l'éditrice chez Gallimard de ce, de ce livre, et à qui je vais passer la parole car elle le racontera mieux que personne. De son vivant, il en a il n'en a très peu parlé. Il avait honte visiblement de ses écrits. Il, quand il évoquait ce texte, il prétendait qu'il n'y avait que quelques chapitres à peine et que voilà que c'était une toute petite chose euh, qu'il a planqué toute sa vie. Donc euh, personne de son vivant n'a eu accès à, à, à ces pages. Et il s'avère qu'il y a quelques années, euh, un éditeur de Penguin US qui s'occupe de, de Jack Kerouac a décidé de fouiller davantage ce mystère et a découvert qu'il y avait en vérité une vraie très belle matière et ce fut une grande surprise de découvrir que le texte était quasiment abouti. Certes, la fin reste ouverte et on imagine qu'elle aurait pu être... Euh voilà, clôturé d'une autre manière ou approfondie, mais il y a quand même voilà, une vraie densité et surtout ce qui est fantastique, c'est que l'éditeur à ce, à ce moment-là découvre que ce texte est une espèce de laboratoire de toute la jeunesse de l'écriture de Kerouac. On y retrouve tous ses thèmes de prédilection et qui a une vraie richesse et surtout euh, un vrai mérite à, à le, le faire paraître et à le faire découvrir mm -hmm. euh, notamment aux fans de Kerouac. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, il y a d'abord eu cette parution aux États-Unis il y a quelques années qui a fait grand bruit. Et puis évidemment, la maison Gallimard euh, l'a découvert à ce moment-là, en a fait euh, l'acquisition à son tour et, euh, et a choisi le centenaire comme date euh, assez superbe pour faire découvrir ce texte, donc oui, jamais traduit, jamais publié en France encore. Euh, voilà, et c'est Pierre Uglialina effectivement qui l'a traduit. Qui l'a très joliment. Très Absolument. Publié, dois <laughs> J'espère que ça répond euh, oui, tout à, à fait. vos questions. J'avais une autre question, mais vous y avez répondu déjà partiellement. Je, je me demandais si on avait une idée de ce qui devait suivre, si des carnets brouillons laissent, euh, laissent des, ont laissé des traces de, 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 du déroulement possible de l'intrigue ou de sa conclusion. Bah, ce que certains experts ou amoureux, en tout cas de Kerouac, imaginent, puisqu'il n'y a pas d'évidence ni de preuve mmh. à l'appui, c'est qu'il était possiblement euh, en train de, de vouloir décrire la traversée. Oui, voilà. Mmh. Et de vraiment euh, voilà, s'attacher à décrire davantage la vie d'un marine euh, mmh. pendant de longues semaines, euh, mmh. voilà, mmh. déconnecté de la Terre. Mmh. Donc on imagine qu'il aurait pu s'aventurer euh, dans ce type de description. Mmh. Mais peut-être pas, on n'en sait rien. Il me semble que rien n'indiquerait, en fait, dans cette fin, que le roman soit inachevé. Oui. Parce qu'après tout, oui. il se termine sur une vision du grand large. Oui, oui. Et on peut dire que tout a été dit. Ce, selon ma lecture, ma lecture, je dirais presque de lecteur innocent, si on veut me croire, euh, tout est dit d'une oui. certaine manière. Oui. Je oui. ne suis pas sûr que la traversée apporterait quoi que ce soit d'autre, parce que ce que Kerouac... Me semble avoir voulu mettre en place et mis en place, mmh, mmh. dont nous allons parler. Et on est d'accord. C'est vrai que je me, suis, je me suis fait la même remarque, effectivement, en terminant le livre. Je me suis demandé si, en fait, j'aspirais à en savoir plus. Ah, bah, ben, vous voyez <laughs> Je pense que c'est assez subjectif. Euh, le, le, voilà, certaines personnes, notamment de la maison Gallimard, ont trouvé que c'était très abrupte comme fin et se sont retrouvées un petit peu frustrées de ne pas aller plus loin. Et moi, je partage votre avis. Je trouve que cette fin ouverte est, mmh. est, est très belle et porteuse de plein, plein de possibles. Mmh. Et euh, on pourrait déjà faire un premier rapprochement avec Moby Dick, mais je suppose bien que Moby Dick m'attend au tournant. Oui. Mais je vais juste citer le, le cœur même, le centre de Moby Dick, où Melville raconte pourquoi la baleine est blanche. The whiteness of the whale, mm -hmm. la blancheur mm -hmm. de la baleine. Donc il nous fait un parcours circulaire dont il a le secret, anthropologique, philosophique, mythique, tout ce que vous voudrez. Et une fois qu'il a fait ce parcours et que nous ne sommes pas vraiment avancés sur le sens de la blancheur de la baleine, le blanc est-il le tout ou est-il le rien mmh. Une fois qu'il a fait tout ça, il dit :« Et tu te demandes toi pourquoi cette chasse enflammée mmh. ?» ben, Tout est là, si vous voulez. Hein, mmh. C'est ce désir, ce désir vers le blanc. Tout est dit. Mmh. Enfin, mmh. La traversée n'apportera aucune information supplémentaire. Tout à fait. Alors on peut peut-être rappeler euh, pour les, les, les lecteurs, les futurs lecteurs, l'intrigue en fait à la, 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 la brosser en quelques lignes. Euh, Enfin, en quelques mots euh, donc de, de « L'océan et mon frère ». Donc c'est la rencontre entre deux hommes. L'un est marin, l'autre est universitaire à New York. La rencontre a lieu à New York. Euh, et donc ça va être dans un premier temps, euh, euh, effectivement, un certain nombre de scènes qui vont se situer à New York dans un cercle de, euh, de jeunes gens... Euh, avant que euh, le roman aborde le récit de leur périple jusqu'à Boston, où euh, ils vont embarquer ensemble à bord d'un navire marchand qui transporte une cargaison à destination des Alliés. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, et euh, ensuite, dans un troisième temps, une fois qu'ils sont à Boston, euh, embarqués, alors avec euh, des hésitations pour l'un comme pour l'autre, euh, le récit se centre sur les, les, la tentation, les hésitations d'Everhart, qui est l'universitaire et qui va rompre avec sa vie euh, confortable pour partir à l'aventure. Voilà, donc j'ai brossé en quelques lignes l'intrigue telle que je la, je la, je la vois. Euh, Est-ce que euh, sur cette intrigue vous voudriez ajouter euh, deux-trois lignes de force qui, euh, qui vous semble que, que j'aurais omise hein C'est une intrigue. Il faut le dire pour le lecteur qui aurait lu qui aurait lu des œuvres de Kerouac un peu plus hétérogènes, un peu moins calibrées. C'est une intrigue classique. C'est l'économie du récit est tout à fait classique. C'est un récit en huit chapitres avec des épisodes euh, certains comme vous l'avez laissé entendre à l'instant qui euh, bien sûr prépare le départ hein, dans plusieurs il y a des étapes je dirais même mmh. qu'il y a des escales avant le départ en quelque mmh. sorte et puis bien sûr le départ proprement dit et cette fin ouverte sur l'infini de l'océan qui se déploie dans la lumière donc euh, l'économie d'un récit tout à fait classique et euh, un style lui-même qui s'il est, est assez euh, Peut-être désinvolte au sens artistique du terme, c'est-à-dire sujet à des, des retournements, des volte-face. La phrase est très fluide et, et, comme on le disait tout à l'heure, remarquablement traduite. Euh, ce, ce, pour autant, ce récit est, on ne peut plus classique. Mmh. Donc, on a deux premiers chapitres qui, d'ailleurs, ont un titre de chapitre. Puis après, les autres se dérouleront sans titre. Ce qui est très intéressant. Euh, c'est la référence euh, implicite puis explicite à Moby Dick oui. puisque les, le début de Moby Dick, on s'en souviendra euh, le personnage d'Ismaël est à terre hein, et il a l'intention de s'embarquer parce qu'il éprouve, il ne le dit pas en ces termes mais nous le comprenons le blues ou le spleen euh, du marin à terre et qui a quelque chose d'assez existentiel mm -hmm. même chez Melville hein, mm -hmm. déjà chez Melville mm -hmm. devrais-je mm -hmm. dire donc, en fait, en, en reprenant une structure qui y ressemble, c'est-à-dire, je me promène dans les rues, je suis un peu oisif, désœuvré, je ne sais exactement pas ce que demain me réserve, et donc je vais partir, il se place, je dirais, sous l'aile euh, littéraire et aussi philosophique de Melville. Et bien entendu, chez Melville, on va bien comprendre que... La rencontre avec Quickweg, qui sera d'abord son compagnon de lit, puis oui. son compagnon de traversée, est quelque chose de fondamental. Oui. Alors, que font les personnages de Melville Et j'en terminerai avec Bobby Dick, parce que ce n'est quand même pas le sujet du jour. Mais néanmoins, on les voit, et particulièrement les Harponneurs, donc à bord du Pequod. Hein, ces Harponneurs appartiennent à toutes les contrées sous le soleil, toutes les ethnies, toutes les civilisations. Il y a un Africain, il y a ce mystérieux insulaire qui est Quickweg, etc., etc. Donc, ils sont de toutes les couleurs, de toutes les foi, religions, et ils sont tous harponneurs de baleines. Et ils constituent une sorte de d'utopie, d'utopie flottante, je dirais. Et c'est ce qu'on va retrouver, d'une certaine manière, alors évidemment négocié sous un angle un peu plus, euh, peut-être, drôlatique ou léger, encore que la légèreté n'est qu'apparente, me semble-t-il, c'est ce qu'on va retrouver dans « L'Océan et mon frère ». Donc on va retrouver ce rêve de se trouver dans un milieu clos, parce qu'un navire c'est un milieu clos, euh, avec des, des garçons sensiblement du même âge, ou en tout cas les écartages ne sont pas considérables, et on va reconstituer une communauté, on va constituer une communauté, on va la construire jour après jour. Et, et c'est cette dimension euh, utopique, ou peut-être nostalgique, n'oublions pas quand même que ça s'appelle « the is my brother », L'océan est mon frère, oui. et qu'on sait bien qu'à l'origine des, des romans de Kerouac, à l'origine de, euh, de ces déambulations, de ces vadrouilles, de ces errances, euh, il y a ce choc de la mort du frère quand fait. il est tout petit, puisqu'il n'a que quatre ans. Parler. Voilà, donc on va forcément en parler. Donc, oui. c'est, j'allais dire, ce deuil fondateur oui. ou des oui. fondateurs. Mmh. Euh, qui lui fait prendre la mer d'une mmh. certaine façon, bien mmh. qu'il ne soit pas question de la mort du frère sûr, dans ce premier roman. Bien sûr, oui. voilà. Effectivement, euh, j'avais isolé un certain nombre de motifs, de thèmes euh, dans, dans ce roman. Alors avant de parler effectivement du frère perdu, qui, qui me semble être un motif sous-jacent fort, euh, pour situer un peu le roman, euh, je, ce qui m'a frappé dans un premier temps aussi, c'est donc... Euh, ce motif du, de ce que j'appellerais le désenchantement américain. J'ai beaucoup pensé à Fitzgerald aussi en, en lisant le roman. Il euh, y a un arrière-plan qui est, bon, évidemment, la guerre, euh, et puis aussi tout un tas de débats idéologiques autour de, de l'engagement, autour du socialisme. Mais il y a aussi, d'une certaine manière, euh, quelque chose qu'on trouve... Alors j'avais... Euh, notamment repérer euh, un certain nombre de passages que je trouvais intéressants à ce titre, quelque chose qui relève d'un du, désenchantement fondateur, finalement, qui, qui crée le désir de, de partir. Je pense aux pages 36-37. Alors peut-être qu'on peut en lire un extrait. Euh, je ne sais pas si vous voulez le faire ou si, si je, je prends la lecture en charge. Je vous laisse le faire, mais parce que je suis tout à fait d'accord aussi, je pense, et je vais vous laisser lire, je pense qu'il est même dit de manière explicite prendre la mer parce que l'ouest est fini. voilà, en quelque sorte. Hein. Mmh. l'époque des pionniers, c'est fini. Mmh. donc on va prendre la mer. Voilà. mais je vous laisse lire parce que sûrement vous avez repéré des, ben, des mots précis. voilà, voilà ce passage qui, qui donc apparaît dans le deuxième chapitre qui s'appelle jour nouveau. Euh, donc on est encore à ce moment-là euh, à new york. Euh, alors ce morceau te fait penser à abe lincoln et à la guerre de sécession. On se souvint everhart. Il me fait le même effet, mais il me rend dingue aussi. Je veux savoir ce qui a salement mal tourné et, ce qui, a vraiment, et qui a vraiment trinqué. L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent automatiquement. Donc à ce moment-là, le dialogue reprend. Ce cri d'autrefois, America, America, qu'est-ce qui lui est arrivé et à sa signification On dirait qu'une Amérique, ça n'est que ça. America, un mot magnifique pour un monde magnifique jusqu'à ce que les gens débarquent tout simplement sur ces rivages, combattent les peuples sauvages indigènes, transforment le pays, l'enrichissent, et puis s'allongent pour bailler et rôter. Wes, si tu étais assistant comme moi en littérature anglaise, avec ces chants, ces chants qui ne cessent de répéter, répéter en avant, en avant, et puis que tu jettes un coup d'œil à ta classe, tu regardes par la fenêtre et ton Amérique est là, tes champs, ton cri du pionnier s'apprêtant à braver l'Ouest, classe entière d'abrutis morts d'ennui, fenêtre sale donnant sur Broadway, ses boucheries et ses bars et Dieu sait quoi encore. Est-ce que ça veut dire que les frontières vont se situer dans l'imaginaire dorénavant Voilà. Ce passage me paraissait vraiment intéressant parce qu'effectivement, il reprend euh, un motif récurrent en littérature américaine. Absolument. Et il euh, y a des tas de choses dans le passage que vous de venez de lire. Hein. Euh, il y a donc euh, cette, euh, ce rapport à la nature qu'on suppose, hein, qui, qui se transparaît dans ce qui est dit, c'est-à-dire affronter cette nature, aller défricher, aller s'installer, hein, les, les colons, les à quel prix on le sait, etc. Enfin, je veux dire, à quel prix par rapport aux Amérindiens. Mmh. Et alors, donc, euh, cette Amérique, finalement, n'est plus du tout dans, ce, dans, ce, dans cette époque où elle affrontait la nature mais ce qui n'est pas dit dans ce passage mais qui me semble aussi très fort c'est qu'elle n'est plus non plus dans la période de la grande dépression où il y avait eu toutes sortes de drames mais aussi une sorte d'épopée de la solidarité telle qu'on peut la voir dans les raisins de la colère mm -hmm. ces grandes luttes sont derrière et maintenant évidemment on comprend bien que la beat generation puisqu'on l'a appelée comme ça fait partie intégrante de la contre-culture Contre quoi Eh bien, contre la culture de la bagnole, du pavillon de banlieue, du barbecue et des voisins. Donc, euh, ce consumérisme qu'il voit apparaître partout correspond aussi, à, effectivement, à un désenchantement politique, y compris un désenchantement du socialisme. On y reviendra voilà. peut-être. Mmh. Et au fond, qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qu'il reste C'est la grande question. Mmh. Voilà, effectivement, euh, on a. Vous venez d'évoquer le, le désenchantement du socialisme, donc c'est une effectivement une thématique euh, récurrente, notamment euh, dans la première partie euh, qui. On pourra y revenir sur la question du style, qui est une partie que je dirais un peu bavarde, hein, euh, mais à dessein bavarde vraisemblablement, euh, où euh, on voit des personnages échanger euh, de manière quasi didactique sur. Euh, euh, sur les enjeux du socialisme, euh, la nécessité ou pas de se positionner, etc. Donc euh, ça, euh, je, je me demandais si on pouvait aussi euh, peut-être euh, s'interroger sur euh, ce qu'on sait de Kerouac à cette période-là, son rapport euh, personnel justement à l'engagement au socialisme. Je pense que de, à cet égard... Euh, le personnage qui dit, euh, donc le personnage de universitaire, Everhart, mm. qui dit euh, en substance qu'il manque au marxisme une, euh, une dimension spirituelle, euh, est assez porteur, vraisemblablement, de la position kerouacienne. Euh, c'est pas, Kerouac, me semble-t-il, c'est pas un adhérent. C'est pas quelqu'un qui arrive mm. à adhérer. Même sur le plan de la religion, il va falloir qu'il se compose une sorte de, 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 de vision mystique à lui. Euh, il n'a pas d'ailleurs beaucoup de difficultés. Hein. Il n'est peut-être pas adhérent, mais en revanche, il est assez synthétique ou il est assez accueillant. Mais l'idée de, de s'engager dans la lutte, fut elle finale, ou justement parce qu'elle le serait, ça ne lui ressemble pas. Mmh. Ce qui lui ressemble, en revanche, vous avez dit bavard, et ça m'a amusé parce que c'est tentant de le de dire ça. Ce pourquoi dans l'océan et mon frère, on a déjà euh, tout Kerouac en germe ben C'est qu'on a déjà euh, ces soirées qui n'en finissent pas. Et tant qu'on n'est pas ivre-mort, on peut toujours euh, disputer, au sens ancien mmh. du terme, mmh. discuter et disputer. D'ailleurs, il y, y a une soirée qui manque mal finie. Mmh. Euh, alors, ça peut être sur la littérature, ça peut être sur le, le sens de la vie, et ça peut être sur l'engagement. Mais au fond, on a l'impression que. C'est plus le plaisir justement de, de discuter euh, ad, ad nauseam et, et que derrière ça il n'y a pas d'engagement effectivement effectif enfin, d'engagement réel concret. Alors parce que sa grande euh, affaire c'est la spiritualité. Tout à fait effectivement. On pourra en reparler effectivement quand on parlera de, des anges de la désolation. Alors ce qui m'a évidemment frappé aussi dans le roman c'est le motif du double de la paire d'amis qui est un motif éminemment américain qui qui, évidemment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a sans doute un ancrage biographique avec euh, ce, cette histoire du, fer, du frère perdu de Kerouac, et dont on va évidemment retrouver une manifestation dans le couple célèbre de, du roman Sur la route. Mais c'est aussi un motif récurrent en littérature américaine. Vous avez parlé euh, de, justement d'Ishmael et Quick Je pensais aussi à Jim et Huck Finn. Bon, il y a tout un tas de couples d'hommes célèbres. Et quand je dis couple, c'est dans un sens euh, très large. Euh, dans la littérature américaine. Donc, il y, y a ce couple déjà d'hommes qui, euh, qui, qui rattachent Kerouac qui d'emblée à toute une tradition, euh, alors plutôt masculine, hein, euh, littéraire masculine, parce qu'on n'en a pas vraiment l'équivalent chez les écrivaines américaines. Mais il y a surtout ici, il me semble, une autre filiation, un autre type de couple, qui est le couple euh, antinomique de l'intellectuel et de l'homme d'action. C'est ça qui m'a beaucoup frappé dans ce roman, c'est la manière dont Kerouac retravaille un motif qu'on trouve chez Washington Irving, notamment dans The Legend of Sleepy Hollow, avec euh, Ichabod Crane et Brom Bones, euh, donc les, les, les archétypes de l'intellectuel pédant et du rustre. Euh, euh, et donc on, on retrouve ce, ce, cette mise en relation qui est quasi euh, Bon, explicite en fait euh, dans, dans plusieurs passages, je pense à un passage vers la fin où, le, où Bill fait un portrait du, du commandant de bord dont il dit, euh, un homme doué d'une sagesse à lui et d'une connaissance de la mer qui dépassait tout savoir acquis dans les livres, qui dressait la carte des voies maritimes et détectait les tempêtes, les récifs et les écueils dans un monde d'océans hostiles. Ce serait un heureux privilège de parler à cet homme, peut-être qu'il était le genre de commandant qui aimait parler à son équipage, etc. Était-ce le monde dont il pensait avoir une certaine connaissance Lui était-il jamais venu à l'esprit de s'interroger sur le sens éminent et noble d'une position aussi simple que celle de capitaine au long cours Donc on a là un bon résumé aussi des, des tergiversations du, du, du personnage principal, Bill, euh, et notamment de, de, de cette mise en relation, mise en concurrence de ces deux figures, de l'intellectuel et, et de l'homme d'action. Je trouve que vous venez de mettre le doigt quand même sur une, enfin, une articulation de plus, qui est celle de la quête d'un maître. Parce que ces deux personnages vont regarder avec une admiration quasi euh, euh, mythologique ce capitaine dont ils ne savent rien et sur lequel ils projettent ce que vous venez de lire. Et je trouve que c'est très récurrent chez Kerouac et que si on prend sur la route par exemple, euh, on a ce même rapport entre Neil Cassidy, Kerouac lui-même et bien sûr le maître Burroughs qui est un drôle de maître par rapport au capitaine, mmh. hein, qui est un capitaine assez inquiétant, mais néanmoins et euh, ce que vous dites là me semble important pour une autre raison donc on a ce tandem ce couple, ce duo, comme on voudra ou ce duel entre le, euh, le pragmatique qui est Wes hein, qu est Wesley mmh. Martin et le spéculatif, appelons-le comme ça, qui, qui est euh, Bill euh, et, et donc cet universitaire. Est-ce que c'est un petit peu Don Quichotte et Sancho ça aussi C'est-à-dire quelqu'un qui a un verbe presque tragique et l'autre qui le ramène euh, à la réalité des choses quelquefois hein Je pense qu'il y a ça. Mais je pense que ce qui traverse aussi euh, ces, ces errances en groupe, c'est un rapport profondément pédérastique mais je l'emploie au Alors, sens de grec du terme. C'est-à-dire que celui qui, voilà, celui qui ne sait pas grand-chose sur le plan, enfin, qui n'a pas de bagages universitaire, va rechercher la compagnie, le conseil, etc., de celui qui en a. Et c'est tout à fait ce qu'on voit entre Neil Cassidy et Allen Ginsberg, par exemple. Et ça va se répéter avec toutes sortes de variations. Et euh, donc, enfin, vous venez d'introduire le thème vous-même. Oui, effectivement, j'allais noter, effectivement, dans, la, dans le sillage de, 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 cette, de cette filiation à Irving et au-delà au folklore américain, d'une certaine manière, qui est d'ailleurs un folklore retravaillé de, de, de folklore européen. Mais j'allais effectivement aborder la question de cet univers masculin. Euh, notamment dans le volet qui se passe à bord du Westminster, le navire marchand, euh, et la fin du roman, donc qui est inachevé, mais qui où euh, sont glissés quand même un certain nombre d'éléments allusifs à l'homoérotisme ou à l'homosexualité, même si c'est sur le mode de la, de la boutade ou de la dérision. Euh, bon, c'est quand même un motif qui est, qui est ici à petite dose, à dose homéopathique, et qui est un motif qu'on trouve dans la littérature américaine depuis longtemps, chez Melville, chez London, etc. Et, et, en relation avec ça, je, je me disais que les portraits de femmes du roman sont, euh, sont vraiment, euh, comment dire, des portraits de femmes assez caricaturaux, euh, ce sont des faire-valoirs, euh, qu'il qu s'agisse des jeunes femmes du début. Euh, ou de l'épouse de, de Wes, qui, euh, qui, qui, qui n'a pas plus d'épaisseur d'une certaine manière que les, que les jeunes femmes du début. Voilà. Donc, euh, on a un univers foncièrement masculin, qui est tout à fait aussi dans la lignée d'un certain nombre d'univers foncièrement masculins qu'on trouve bon, chez Melville au premier chef, mais, mais ailleurs aussi, avec le motif sous-jacent. Voilà. Vous avez parlé effectivement de pédérastie euh, au sens euh, antique du terme, enfin, dans, dans la conception antique. Je, je pense qu'il y a aussi une petite... Euh, d'homoérotisme qui est glissé ici et là. Je vous reçois 5 sur 5, pas mieux dire. Pourquoi Mais Parce que d'abord on a une inversion assez drôle au début. Comment est-ce que les deux hommes se rencontrent Eh bien ils se rencontrent par l'entremise, si on peut le dire, d'une femme dans un bar. C'est-à-dire que euh, euh, le personnage de West est en train de parler à cette jeune femme qui s'appelle Polly. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, l'universitaire Bill. Alors qu'en général, deux hommes vont s'arranger pour rencontrer une femme. Ce serait le, le biais le plus classique. Hein. Euh, là, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est la femme qui sert en quelque sorte d'appât pour rencontrer l'homme. C'est mmh. assez drôle. Mmh. Euh, je vois autre chose. Lorsqu'on a des descriptions physiques de personnages extrêmement séduisants et désirables, mmh. ce sont des hommes. Tout à fait. On mmh. va nous décrire euh, Wesley Martin comme euh, étant. Euh, longiligne avec des mains fines, une silhouette gracieuse, ce sera répété deux fois, on verra les mains fines de son père, et à un moment donné on va trouver un autre personnage sur le bateau euh, qui s'appelle Danny Palmer, mm. et qui va être vraiment décrit comme l'Apollon du Belvédère. Aucune femme n'est décrite de cette manière. Mm -hmm. Donc euh, l'objet désirable c'est l'homme, mm. et, euh, et je pense que dans, dans ces romans-là pas une affaire euh, de sexe tellement, c'est que l'objet d'amour est un homme. Mmh. Mmh. Voilà, au oui, oui. voilà, dans, dans ce sens-là. Et c'est très récurrent. Euh, bon, quand on arrivera à parler tout à l'heure de danger de la désolation, ce sujet va évidemment euh, revenir aussi. Hein. Mais euh, donc il faut se débarrasser des femmes, en quelque sorte. Oui. Et ça va être récurrent dans ce début. C'est-à-dire que d'abord... Euh, euh, quand, ils se réveillent, quand les deux hommes se réveillent chez l'ami de Polly, qui s'appelle Ginger, il n'y a plus d'œufs pour le, pour le breakfast. Donc ils vont descendre acheter des œufs. Et au lieu de remonter ces œufs pour le breakfast, ils vont aller boire des bières ensemble. Et c'est tout juste, ils repensent à leurs œufs. Ils, ils ont rendez-vous avec les filles pour le soir. Enfin, ouais, ça rendez-vous avec, avec Polly. Et euh, Bill lui rappelle, il répond, Oh, mais qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'est-ce qu'on en a à mmh. faire Et bien mmh. entendu, quand son ex-femme apparaît, euh, on pense qu'elle va le retarder ou l'empêcher de prendre la mer, mais on verra qu'il n'en est rien. Il est vraisemblable aussi que, comme il a fait du grabuge étant ivre au dernier degré, c'est elle qui a payé sa caution, fort probablement, oui. bien que autre chose nous soit dit. Oui. Donc il faut se débarrasser des femmes, mais pas parce qu'on les déteste, bien entendu. Je ne suis pas en train de faire un, un procès en misogynie à Kerouac. D'autres le feront sans aucun doute. Mais elle représente aussi, justement, le foyer. Elle représente l'ancrage, elle représente les normes, la discipline. Mmh. On mange à telle heure, on ne rentre pas ivre tous les soirs. Et en plus, on rentre. Donc, il faut larguer les amarres de tout ça. Mmh. C'est le cas de le dire. Strictement parlant, mmh. il faut larguer les amarres de tout ça. Et pourquoi le voyage en bateau est une utopie D'une part, parce qu'il n'y a plus de femmes. Au moins, on ne va pas se disputer. Il n'y aura pas de rivalité de ce côté-là. Il n'y aura pas ce type de normes que les femmes imposent. Et en plus, sur le bateau on n'est absolument pas contraint à chercher sa subsistance comme quand on est au bord de la route à faire du stop. C'est-à-dire que les besoins matériels sont totalement pris en charge par ce monde qu'est le bateau, cette espèce de berceau qu'est le bateau. Donc, si vous voulez, euh, je dirais que c'est tout bénéfice. Oui, oui, tout à fait. Mais justement, j'allais en venir à, à, alors, au troisième motif que j'appellerais celui de l'échappée belle euh, ou du trimar, euh, qui est le motif qui est brodé essentiellement dans le deuxième volet après le départ de New York et avant l'embarquement. et et là, ce qui est frappant, c'est qu'on voit effectivement apparaître donc la figure du, du bourlingueur, du trimardeur, qui est une, une, une figure qui est incarnée par Wesley notamment, euh, et qui m'a beaucoup beaucoup rappelé euh, Jack London. Je, je, je pense que Kerouac s'était nourri de Jack London. Euh, je pense notamment à, au roman The Road, qui a été traduit Le trimard récemment, mais qui était autre, autrefois connu sous le titre La Route ou Les Vagabonds du Rail. Donc, euh, j'ai beaucoup pensé à Jack London et, 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 en, en lisant ce livre, en me disant que il était vraisemblable que, que au-delà de, de, de Melville, Kerouac devait être un lecteur de Jack London. Et euh, j'ai aussi pensé, euh, alors peut-être que c'est une. Euh, ça n'est pas euh, légitime d'imaginer ça, mais que dans le, le choix du prénom, euh, du nom d'Everhart, de, il y avait un clin d'œil à London, puisque le. Un des protagonistes du Talon de fer de Jack London s'appelle Everhart. Pas écrit de la même manière, donc je me suis demandé s'il y avait là un clin d'œil. Kerouac a beaucoup lu. Hein. Kerouac est peut-être relativement un autodidacte parce qu'il n'a pas fait long feu à la faculté de Columbia où il était entré pour ses performances sportives. Euh, néanmoins, Kerouac est quelqu'un qui a beaucoup lu. Il a beaucoup lu en anglais et il a beaucoup lu en français. Mmh. En réalité, sa culture littéraire est, est considérable. Et qu'il ait été marqué euh, comme un jeune garçon d'ailleurs hein, par tous ces, ces romans d'aventure mmh. euh, n'a rien de surprenant. Et ces romans d'aventure, quand ils sont écrits par Jack London, ça véhicule aussi autre chose que des aventures euh, pures et dures, bien entendu. Mmh. Hein. Donc cette, cette influence-là, oui, moi, je pense que ce que vous dites est parfaitement euh, euh, fondée y compris mmh. sur le prénom. Je pense que Kerouac ne choisissait pas du tout ses prénoms au hasard, oui. ni ses noms. Oui. Et on le voit bien. D'ailleurs, on voit bien comment ils évoluent d'un roman à l'autre. Oui. Alors justement, je voudrais lire un, un ou deux passages des pages 124, 125, où on voit apparaître de manière particulièrement euh, euh, synthétique, euh, représentative, ce, 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 ce thème du, 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 du trimar, voilà, de, du, du voyage. Euh, voilà, voilà ce, que, ce que le narrateur écrit avec euh, ici, bien sûr, le point de vue de Bill. Euh, le début de tout ça, 10 années aérées, Canada, Mexique, euh, 43 États. Non, ce n'est pas le point de vue de Bill, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est le point de vue de, de Wes. Euh, 43 États, des boulots dans les garages, les cantines ambulantes, le bâtiment, les hôtels de Floride, chauffeur de camion en Géorgie, barman à la Nouvelle-Orléans, garçon d'écurie de course en route vers l'Ouest avec le Grand Cirque, revendeur de billets à Santa Anita, bookmaker à Salem et finalement sa première traversée au départ de San Francisco. Donc là, vraiment, on a le type même du, du bourlingueur tel que l'a tel que incarné dans la vie euh, London et puis plus tard d'une certaine manière Kerouac. Et puis un peu plus loin, voilà le thème de l'océan, comment il finalement s'agrège à, à ce thème-là. C'était une question de ne rien en avoir à foutre. L'océan suffisait, l'océan était tout. Livré à lui-même, il prendrait la mer et serait dans un monde à son goût, un monde juste, raisonnable, sensible, où un type pouvait s'occuper de ses affaires et faire sa part du travail. Donc là, il me semble qu'on a, on a euh, vraiment euh, euh, cette, euh, ce tissage d'un motif qui va être un motif récurrent chez, chez Kerouac. Absolument. Et je trouve que c'est un motif assez riche, d'ailleurs, quand on se met à y réfléchir. Pour nous, Européens, euh, ce que vous venez d'énumérer, hein, cette série de boulots plus, plus improbables et cocasses les uns que les autres, euh, finalement, on se dit ben le romancier américain, c'est ça. C'est un type qui a fait tous les boulots possibles. Et qui, euh, qui écrit la nuit, euh, qui tape à la machine avec son verre de whisky à portée de main. Ça fait partie de notre folklore sur le, le romancier américain. Mais un folklore qui n'est pas enfin, coupé du réel. De fait, plusieurs romanciers américains ont exercé toutes sortes de boulots, pour nous improbables. <coughs> avec, euh, je dirais, un parcours qui ne ressemble pas à celui du romancier français, même s'il y a N parcours de romancier français. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, ça va être récurrent. Mais on va trouver aussi dans les, les évocations de Burroughs euh, toutes les vies antérieures de Burroughs, qui a été mafieux, qui a été érudit, qui a été qui a voyagé en Allemagne, ailleurs. Et euh, à un moment donné, euh, dans Sur la route, euh, Kerouac explique que Burroughs a plusieurs euh, personnalités euh, et que qui sont régressives ou progressives jusqu'à la transe, jusqu'à jusqu la débilité. Et j'ai l'impression, si vous voulez, sans, sans tirer trop le, le sens des choses, que chez Kerouac, ce sont aussi les diverses incarnations du karma. Le karma vous, vous oblige à vous réincarner tant que vous n'en sortez pas. Mmh. Et donc, ça fait partie, cette, cette errance avec étape, avec escale, etc., ça fait partie, euh, bah, d'une certaine manière, de la malédiction du karma, mais cette malédiction a des côtés tout à fait jouissifs, bien entendu. Mmh. Et pour en revenir à la communauté navigante que vous avez évoquée au début, euh, ben, d'après tout ce que nous venons de dire, je dirais que ce, ce navire est une république. C'est une république flottante, liberté, donc on a dit laquelle, liberté des contraintes de, de la vie sociale, égalité, parce que chacun connaît son, sa place dans, sur le navire, qu'on n'a pas du tout l'impression des rapports hiérarchiques, chacun fait son boulot mais ce ne sont pas des rapports hiérarchiques et last but not least fraternité mm. et donc en effet euh, si on est sur l'océan bah, finalement on est où on veut être mm. oui oui tout à fait alors, vous avez évoqué tout à l'heure Whitman, J'ai évoqué London, et c'est vrai que le roman est... Alors, c'est lié au fait qu'un des personnages principaux est un universitaire, donc ça permet finalement de glisser dans le récit des allusions explicites à des, à des écrivains américains. Donc, les écrivains américains sont présents dans ce roman. Euh, et au premier chef, Whitman aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est donc le, le grand poète du 19e siècle américain. Euh, qui est là, euh, alors évoqué euh, très explicitement euh, au début du chapitre 4, quand euh, euh, il est question de l'hymne de Whitman à la route ouverte dans sa version moderne, voilà, mais aussi évoqué indirectement euh, dans un passage à travers l'éloge de, de la figure du pionnier. Je pense à un passage un peu plus loin euh, où il est question justement des pionniers, euh, où on on voit euh, Bill dire Je pense comprendre à présent pourquoi l'esprit du pionnier m'a toujours guidé dans ma pensée. C'est parce qu'il est libre. West libre. Il est comme l'alouette comparé au colon, à l'homme qui plante ses racines et s'installe. Le pionnier est libre parce qu'il continue d'avancer. N'oublie pas de laisser une trace derrière lui. Donc là, <coughs> effectivement, bon, Whitman n'est pas nommé, mais on, on en entend les, les, les échos, euh, effectivement, clairement, d'un du, du, passage célèbre de son recueil euh, Feuilles d'herbe, avec donc ce refus de l'enracinement, cet éloge du déplacement sans cesse renouvelé. Et euh, ce, qui est, ce que, que j'ai trouvé frappant aussi, c'est qu'il y a une sorte de retour un peu réflexif sur cette méthode de Kerouac dès, dès son premier roman, puisqu'il y a une forme de conscience de, de l'emprunt à des modèles, à des stéréotypes, euh, notamment dans un dialogue euh, entre Wesley et Everhart. Où, euh, où Everhart pose la main sur l'épaule de Wesley, lui dit la maison familiale disparue, hein, une vieille histoire de la vie américaine. Non, c'est la plus belle et la plus déchirante de toute la littérature américaine, de Dreiser à Thomas Wolfe. Oui, plus de retour au bercail possible. Donc on a là euh, à la fois une utilisation d'un motif et aussi euh, une manière euh, un peu euh, métatextuelle de se pencher sur la méthode même qui est employée. Oui, euh, déjà dans l'océan et mon frère. Ce n'est pas dépourvu d'ironie. Euh, et, et heureusement d'ailleurs hein, que cette ironie de Kerouac, cette autodérision du reste, hein, euh, vient le sauver du pathos ou vient relativiser les élucubrations. Enfin, il y a, y a, y a maintes de façons de le dire. Mmh. Quant à Whitman, je pense que, la, bien entendu, l'évocation de Whitman s'impose. N'oublions pas que Sur la route commence par l'épigraphe euh, en citation de, de Whitman, justement. Camarade, me donneras-tu la main Donc euh, Whitman, bien sûr, représente euh, un puissant souffle de liberté, voire de libération. Mmh. De libération des normes sociales, notamment. Hein, mmh. et, des, et pourquoi pas des normes hétérosexuelles aussi. On voit bien oui. la puissance de Whitman. Whitman, pionnier, haut pionnier. Hein, C'est mmh. vraiment le poète fondateur de l'Amérique, de, de, de son immensité, de son rapport assez charnel au continent à cette terre immense mm. hein, qui roule sa bosse, comme dit Kerouac, euh, d'une rive d'un océan à l'autre. Mm. Donc il fallait la grandeur de Whitman euh, pour pouvoir représenter probablement euh, le, toute l'énergie et la puissance que le continent américain procure à ceux qui l'arpentent indéfiniment. Mm. Voilà, comme si ils leur semelle, ils rechargeaient leur énergie via la semelle de leurs chaussures quand ils battent le pavé. Tout à fait. Euh, — Avant de, de... Enfin, finalement, c'est peut-être le moment de parler des gens de la désolation. Et, et il me semble qu'une manière, en fait, d'articuler de, euh, ces deux textes qui sont très dissemblables, en fait, c'est de, de s'intéresser au style. Parce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que « L'océan est mon frère » est, est assez classique dans sa forme. Le style du roman ne porte pas du tout les traces du style qui va, qui va faire la, la spécificité, la, la, la marque de fabrique de Kerouac par la suite. C'est un style plus convenu d'une certaine manière. Alors, avec, comme je disais tout à l'heure, un peu de bavardage, un peu de didactisme par endroits, euh, sans doute avec une, évidemment une distance ironique de la part du, euh, de, de l'écrivain, euh, puisqu'il y a d'ailleurs une remarque rapide du narrateur sur le côté bavard euh, de Everhart dès le, dès le début. Euh, alors, ça, c'est évidemment très différent de ce qui va faire la notoriété de Kerouac comme styliste dans Sur la route, bien sûr, mais aussi dans Les Anges de la Désolation, qui est un texte qui euh, est, est caractérisé par sa langue euh, euh, créative, euh, inventive, euh, ludique, ce que n'est pas du tout la langue de L'Océan et mon frère. Donc, je voudrais juste rappeler deux trois éléments de contexte concernant les Anges de la Désolation. C'est un texte qui est apparu en 65. Euh, qui a été traduit en 98 par Pierre Guglielmina euh, comme L'Océan est mon frère et qui a été publié chez De Noël. Et l'histoire éditoriale de, de ce texte n'est pas inintéressante non plus, puisqu'en fait, ce qui paraît en 98, c'est euh, la traduction de l'intégralité d'un texte qui jusque-là n'avait été traduit que pour partie, euh, puisque seule la deuxième partie avait été traduite dans, euh, dans une première traduction française qui s'intitulait Les Anges vagabonds qui avait été donc amputé d'une partie du texte et, et dont le style bon je suis pas j'ai pas encore pris le temps même si ça m'intéresse beaucoup d'aller voir dans le détail les, les différences stylistiques entre les deux traductions mais dont le style semble-t-il avait été fortement lissé par le premier traducteur et donc, cette version intégrale du roman, elle comprend l'évocation du séjour du narrateur euh, dans euh, le nord-ouest des États-Unis, où il est guetteur d'incendie, où il médite. Et puis, dans un deuxième temps, euh, le narrateur, qui redescend de sa vigie, va parcourir euh, un certain nombre d'États, de, de lieux, de, 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 de pays, euh, puisqu'il va euh, retrouver la vie sociale et, et euh, aller au Mexique, à New York, à Paris, à Londres, etc. Euh, donc, c'est un récit endiptique. Avec à la fois un voyage spirituel, mais aussi un voyage en Amérique et en Europe, ce qui fait qu'il est très ancré aussi dans le récit de voyage, qui est un, un archétype du, 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 du roman américain. Euh, donc je, je me demandais en fait si. Euh, euh, alors déjà, je, je me posais plusieurs questions. Je me demandais en quoi on peut dire que c'est un roman semi-autobiographique et en quoi euh, il se distingue de Sur la route mais je serais tentée de vous retourner la question, en quoi peut-on dire que c'est un roman On pourrait même commencer par là, parce qu'il fallait, fallait bien lui donner une étiquette, mais euh, j'aurais été tentée, moi, de l'appeler récit au pluriel, hein, parce que c'est un texte tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'à côté, sur la route, est académique. Euh, on voit bien que là, le travail éditorial n'est pas du tout le même. Euh, on n'a pas révisé le texte de Kerouac de la même façon. De toute façon, aucun écrit de Kerouac n'a une histoire éditoriale tranquille. Oui. Ce sont toujours mmh. des histoires compliquées, mmh. euh, des négociations sans fin, des, des périodes de désespoir parce que ça marche pas du tout comme il voudrait. Enfin, donc là, effectivement, vous avez raison. On a trois parties, mais surtout deux, on va dire. Euh, Kerouac dans le Nord-Ouest, qui, qui guette les feux de forêt pendant deux mois tout seul, dans une cabane sur la montagne. Et euh, là, on a une autre référence littéraire, historique, c'est celle, bien sûr, de Henry david Thoreau, oui. l'auteur de Walden, oui. qui avait passé, lui, deux ans au bord d'un lac, oui. en vivant de manière extrêmement frugale et en se suffisant à lui-même. Et c'est assez drôle, parce que, si vous voulez, on va constater que Tijan euh, Kerouac, donc, euh, n'est ni Thoreau, ni Robinson Crusoe. Il est allé là-bas pour se trouver, pour se retrouver, pour se dans une sorte de retraite euh, spirituelle, on va dire. Et, et voilà ce qu'il dit en bout de parcours. Hein, Qu'ai-je appris sur Guadalupe Black J'ai appris que je me déteste parce que seul avec moi-même, je ne suis que moi et même pas ça. Donc c'est <laughs> impitoyable, drôle, drôle, plein d'autodérision. Hein, C'est-à-dire qu'il passe. Et pourtant. Là où ce texte est fascinant, c'est qu'il dit tout et le contraire de tout, et que le lecteur, que je suis en tout cas, euh, est convaincu que tout est vrai. Mm -hmm. <laughs> C'est-à-dire que, euh, en réalité, toujours cette grande ambivalence par rapport au vide qu'on va retrouver, bien sûr, jusqu'à la fin de son œuvre, dans les poèmes The Golden Eternity, par exemple. Hein, euh, seul est vrai le vide mystique. Il hein, y a du Tao, il y a du Zen. Seul est vrai le vide. Sauf que quand il est tout seul sur son flanc de montagne, dans sa cahute, eh bien, ce vide, il ne le supporte pas. Euh, la grandeur de la nature, cette nature colossale et inhabitée, il n'y a que, que, des, que des bêtes et pas n'importe lesquelles, hein. à un moment donné, il va parler de l'ours de manière tout à fait mythique, euh, cette nature l'impressionne, l'angoisse, et il s'y sent tout à fait étranger. Donc on n'est pas du tout dans une perspective béate et fusionnelle. Il n'y a pas de fusion et il n'y a pas de béatitude, sauf dans des instants de grâce, il y en a aussi. Hein. Donc, en réalité, il vit cette libération ce qui était censé être sa libération des choses du monde, il la vit comme une incarcération. Et en fait, une grande partie de ses préoccupations et de ce qu'il écrit, hein, de ses chroniques, parce qu'au fond, ce sont des chroniques, mmh. tout ça, euh, c'est comme le prisonnier qui barre les jours jusqu'à jusqu sa libération, précisément, ou le, le, le soldat peut-être, hein, le, le conscrit euh, jusqu'à la quille, et, et il ne cesse de penser à ce qu'il fera quand il sortira enfin de cette prison. « En Plein air, euh, puis viennent les longs rêves éveillés sur ce que je ferai quand je serai sorti de là de ce piège au sommet de la montagne. Seulement errer et vadrouiller sur cette route sur la 99, un filet mignon à la braise au bord de la rivière le soir avec du bon vin et repartir le matin. Mmh. Donc, ça, c'est toute la première partie euh, qui se lit néanmoins. Euh, Malgré tout le côté négatif de la chose ou ironique, qui se lie avec un certain plaisir, parce que malgré tout, on a des évocations de, qui sont de, des véritables haïkus, par exemple. Par une douce soirée d'août, je dévale la pente de la montagne et je trouve un endroit où m'asseoir en tailleur, près des sapins et des souches de vieux arbres foudroyés face à la lune, la demi-lune jaune qui plonge vers les montagnes du sud-ouest, dans le ciel occidental rose vif vers 8h30. Le vent sur le lac à 2 km en contrebas est un zéphyr qui rapporte toutes les idées que vous avez pu vous faire sur les lacs enchantés. Je prie et demande à Valokitesvara, celui qui éveille, de poser sa main sur mon front et de m'accorder la compréhension immortelle. En fait, il y a aussi des passages qui sont... Très beaux, mm. qui sont dans la contemplation pure, on mm. pourrait dire, hein, malgré son autodérision. Mm. Tout ça, c'est le climat de la première partie, mm. qui est aussi, euh, j'allais dire, décousu sous la forme de chronique, comme ça. Donc, on passe d'un matin à un soir, dans la, dans la précarité de sa situation. Il ne cesse d'imaginer ce que sera son retour à la société humaine. Euh, et évidemment, c'est ce que nous allons avoir à profusion dans la suite. alors dans la suite on n'a pas eu c'est pas position ville campagne c'est position ville montagne on va se, on va errer de ville en ville Los Angeles San Francisco, New York et on arrivera dans, un, dans une halte extrêmement significative, on va retrouver Burroughs qu'on a quitté au Mexique dans un état de débris, disons-le. On va le retrouver à Tanger et on va le retrouver dans une autre utopie communautaire fraternelle masculine. Et quand on quittera Tanger, enfin, quand la boucle sera presque bouclée, on retrouvera, ou plutôt on trouvera, parce qu'on l'a très peu vu jusque-là, mère la mère du narrateur, qui sera évoquée tirant l'aiguille, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mmh. Donc en fait, on a un schéma qui est assez déconcertant mmh. euh, de prime abord pour un lecteur non endurci, disons. Hein. Mmh. Euh, on a ce schéma de, du rêve de nature, de, du rêve contemplatif, impossible, quoique, après tout. On a ce retour à la société avec des soirées de beuverie, avec des, une virée aux courses, avec toutes sortes d'échanges littéraires sur le mode de l'élucubration aussi, du marathon, du talkathon, du marathon de la parole. Euh, on a bien entendu des scènes aussi où on consomme de la drogue. Et puis on va finir dans cette, dans cette errance de ville en ville. Euh, Par arriver à Tanger, où en gros on pourrait dire que cette communauté d'expatriés fait du tourisme à la fois euh, sexuel et toxicomane, hein, puisque là-bas c'est sinon légal, euh, du moins permis, toléré, d'avoir des relations tarifées avec des jeunes gens et aussi de fumer, de consommer, enfin mmh. tout, tout ce qui est psychotrope. Donc on va arriver là. Euh, et, et je crois que ce qu'on peut dire à un lecteur qui n'aurait pas idée de ce qu'il va trouver dans Ange la désolation, c'est que le caractère justement épisodique et chronique de cet ouvrage, euh, il faut le prendre comme il vient. Il faut lâcher prise et le lire comme des chroniques, le fourrer au fond de sa poche. Bon, C'est déjà un bouquin un peu gros pour le mettre oui. au fond de sa poche, peut-être. Et euh, on, on en lit un paragraphe, on en lit trois pages et on laisse. Parce qu'il n'y a pas véritablement. Il euh, n'y a pas vraiment d'aboutissement, il n'y a oui. pas vraiment de progression dramatique. Mmh. C'est cette structure euh, épisodique, oui. voilà. Oui, c est, c est, effectivement, c'est une structure épisodique. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'est vraiment le genre de livre qu'on peut ouvrir euh, et refermer un peu à n'importe quelle page. On n'est pas obligé de partir du début pour arriver à la fin. Et, euh, et, et, et c'est en fait la, toute la tradition du picaresque, en fait, hein, cette structure épisodique. Exactement. Donc on retrouve, on retrouve, on retrouve euh, de, aussi de, de ce point de vue-là. Euh, euh, la descente sur le Mississippi de, de Huck Finn, par exemple, et Jim. Bon, il y, y a toujours ce même schéma de, 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 de l'échapper. Euh, mais ce que, ce que je trouve intéressant dans le roman aussi, c'est la manière dont finalement euh, Kerouac va broder à partir. De ce que j'appellerais la figure de la marge, dans les différents volets d'ailleurs, différemment, avec cette installation sur une marge du pays, euh, sur, sur, sur ce pic euh, à guetter les, les feux de forêt et à méditer. Et puis ensuite, euh, la marge, ça devient les marginaux, justement, euh, ce, 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 ces gens qui sont effectivement, euh, bon, euh, soit des parias, soit des parias volontaires de, de la société. Et je me suis demandé en fait si. Euh, ces représentations aussi n'étaient pas liées au fait, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais en fait, euh, Kerouac n'est pas américain au départ, il est franco-canadien. Et donc, j'ai le sentiment aussi que dans la vision qu'il développe de l'Amérique, ici ou ailleurs, il y a sa fascination pour l'Amérique, il y a effectivement peut-être quelque chose qui s'alimente au sentiment d'être dans une position euh, elle-même marginale à l'origine. Ouais, je pense que vous ne croyez pas si bien dire si vous n'avez pas lu euh, les textes de Kerouac en français. Euh, plus exactement, en joual, hein, en dialecte Alors, effectivement, québécois. effectivement, je les ai pas C'est ben, extraordinaire. Et ouais. ça va tellement dans le sens de la question que vous posez. Après, je reviendrai sur le picaresque. Mmh. Mais euh, Kerouac disait, dans la langue que vous allez entendre, « La vie est un pilgrimage douloureux ». Alors, « la vie est un pilgrimage douloureux », ça dit quand même beaucoup de choses dans peu de mots. Hein. Et il, il dit aussi, ailleurs, « j'ai jamais eu une langue à moi-même » parce qu'en réalité sa langue maternelle n'est pas l'anglais et il va découvrir l'anglais petit à petit en étant scolarisé à l'âge de 6 ans et puis il va découvrir un anglais plus riche et plus standard quand il va arriver à la fac de Columbia où il va rencontrer toutes sortes d'étudiants et d'intellectuels mais l'anglais est pour lui une autre langue qui d'ailleurs, enfin, ce n'est pas que de la douleur c'est aussi une certaine liberté puisque c'est une autre langue. Mmh, mmh. Mais de toute manière, on pourrait dire qu'il est toujours déjà marginal, marginal oui. d'entrée de jeu, car il n'est pas américain, mmh. en effet, et il n'est même pas américanophone au départ. Mmh, mmh. Donc, en effet, et sans être pour autant français, vous voyez bien que, ça, que sa condition est complexe. Mmh. Par ailleurs, sociologiquement, il est marginal, sans aucun doute. Il ne vient pas de, de non seulement il ne vient pas de la bourgeoisie américaine. Quelque bourgeoisie qu'elle soit par ailleurs il vient dif... enfin, c'est difficile d'identifier véritablement mmh. d'où il vient euh, son père était ouvrier imprimeur enfin, c'est compliqué mmh. donc sociologiquement linguistiquement euh, quoi qu'il fasse il a la conscience d'être un être assez déchiré assez clivé déchiré au départ et euh, d'où bien sûr la douleur je suppose hein, le pilgrimage douloureux mais je voudrais opposer ou mettre en regard en tout cas ce mot de pilgrimage, euh, au, donc pèlerinage, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié, euh, au, au mot de picaresque que vous avez prononcé et que j'aurais prononcé moi aussi. Euh, toutes ces déambulations, tous ces, toutes ces errances, euh, tous ces arpentages, sont-ils picaresques euh, Et alors, au jour le jour, on se débrouille, on profite de la société, hein, fact the system, où Sont-ils initiatiques mm. et là on aurait le pèlerinage. Mm. on aurait le pèlerinage, et, et d'ailleurs, c'est pas par hasard que euh, on peut dire que toute cette tradition euh, des road movies et des, des personnages qu'on voit dans les road movies, elle est largement inspirée par des récits comme ceux de Kerouac, largement. Et tout à l'heure, vous évoquiez le fait que on a deux hommes hein, dans cette représentation américaine traditionnellement. Et, mais je suis d'accord avec vous et je vous ferai observer, si vous l'avez pas fait vous-même il va falloir attendre Thelma et Louise pour qu'on oui. ait un tandem de femmes. Tout à fait. Mais, mais sur un modèle qui n'est pas si loin, justement. Mmh. Il hein. faut croire mmh. que c'est vraiment très structurant. Mmh. Donc je crois que c'est toute l'ambiguïté de Kerouac. Euh, sommes-nous devant de l'initiatique ou sommes-nous devant quelque chose qui est beaucoup plus cynique, qui est beaucoup plus pragmatique, mmh. euh, puisque le monde est, est décadent, euh, il, il est euh, corrompu, etc., etc., Prenons notre plaisir et on verra demain. Mmh. Alors, vous rappeliez effectivement que le rapport de la langue, le rapport de Kerouac à la langue anglaise est un rapport forcément complexe puisque ce n'est pas, pas sa langue maternelle. Euh, et euh, ça explique sans doute beaucoup de choses dans le traitement qu'il qu en fait finalement, et le traitement extrêmement euh, euh, comment dire inventif en fait. Et euh, j'aimerais, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais du coup qu'on parle de votre travail de traductrice avec cette langue de Kerouac que vous avez vous-même travaillé, retravaillé quand vous avez euh, euh, réalisé donc pour, euh, pour Gallimard une, une nouvelle traduction de Sur la route qui, est, qui était d'ailleurs euh, un texte original qui avait été revisité. Euh, euh, du fait d'un travail critique fait sur ce qui, est, ce qui constitue d'ailleurs le sous-titre de la traduction, le rouleau original. Alors est-ce que vous pourriez à la fois nous dire quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle version d'un texte qui est considéré comme le chef-d'œuvre de Kerouac, et puis ce que vous, comme traductrice, euh, ce que signifie retraduire dans ce cas spécifique, justement. Oui, euh, c'était un défi de le retraduire. Bien sûr, euh, ce n'était pas tout à fait le même texte, puisque le rouleau dit original, c'est une histoire très compliquée. Hein. Je ne vais pas m'embarquer dans l'histoire éditoriale, parce que là, pour le coup, ça va bien prendre sûr. très longtemps. Mais il s'agit d'une énième version de Sur la route, en fait de rouleau original. Ce n'est en aucun cas la première. Hein. Euh, mmh. Mais il est bien original en ce sens que c'est le rouleau authentique, si vous voulez. Donc, euh, j'aimais bien la première traduction qui était ancienne déjà, hein, peut-être une cinquantaine d'années quand même. C'était j'aimais bien la première traduction parce que c'était celle que j'avais lue quand j'étais lycéenne. Mmh. Donc euh, on, on le faisait circuler ce livre presque sous le manteau. Il avait un caractère presque un peu transgressif et du coup, euh, j'allais dire identitaire pour les adolescents que nous étions à la veille de 68, je précise. C'est mmh. pas non plus euh, un hasard. Donc pour en revenir à la traduction qui existait, je la trouvais belle. Et je pense qu'on retraduit, on accepte de retraduire, on envisage de retraduire quand on a le sentiment d'avoir une nouvelle proposition à faire. Sinon, ça ne paraît pas nécessaire. Donc je me disais, euh, qu'est-ce que je peux faire Ce que je pouvais faire, me semblait-il, en tout cas, quand je me suis euh, lancé dans ce travail, puisque Gallimard me l'a proposé, euh, c'était restituer un peu plus d'oralité et un peu plus de musicalité parce que euh, c'est très caractéristique évidemment de kerouac euh, cette puissance de l'oralité c'est quelque chose qui, qui est euh, qu'il faut vraiment entendre à haute voix pour la percevoir. et donc ce que je pouvais faire c'était euh, retravailler une certaine musicalité des phrases éventuellement il se trouve que je suis entourée de musiciens et que mon fils lui-même est musicien professionnel et que j'ai même eu accès, donc par ses amis musiciens, à des vidéos et des cassettes où Kerouac lui-même chante, dit son texte et s'accompagne mmh. au piano. Donc là, j'avais, si on peut dire, des renseignements de première main. Alors, par rapport à cette oralité, la première chose que j'ai pu faire et que mon prédécesseur n'avait pas pu faire. C'était euh, engager le récit euh, au passé composé et pas au passé simple. Mmh. On sait bien qu'en français, le passé simple euh, vous assigne à résidence dans l'écrit. Personne ne parle au passé simple depuis le XVIIe siècle. Et même quand on lit dans la presse un passé simple dans un récit, on a l'impression d'être dans une presse, je dirais, de sous-préfecture, oui, qui, qui veut quand même afficher mmh. des signes extérieurs de richesse linguistique. Mmh. Donc je l'ai fait euh, au passé composé. Et euh, au lieu que le lecteur soit vous soyez ou qu'on prenne un témoin des lecteurs, euh, souvent, j'ai opté pour le tutoiement. Mmh, mmh. Et ça réduit la distance et ça restitue quelque chose de plus intimiste. Mmh. Donc j'ai fait ça et après, dans le détail, bien entendu, euh, j'ai pris des parties ici mmh, ou là mmh. qui pouvaient être évidemment euh, mmh. les miens. D'accord. Très bien. Euh... Ben écoutez, je crois que nous arrivons au terme de cet entretien. Alors, sauf si vous voulez rajouter des choses sur l'un ou l'autre des ouvrages que nous avons abordés, mais il va falloir clore, même si <laughs> c'est passionnant. Mais je, je, vos, vos questions me semblaient extrêmement euh, pertinentes et aiguës. Hein. Résultant d'une lecture aiguë du texte, je me félicite que, euh, à propos du centenaire de la naissance de Kerouac, toutes ces publications sortent. Il y en a eu beaucoup, il y en a, et c'est une façon d'attirer l'attention à la fois sur Kerouac et sur toute une époque, bien entendu. Euh, Kerouac, un grand styliste, hein. on, en oui, a, oui. on en a lu des extraits qui sont relativement euh, évocateurs, mais on aurait pu en lire beaucoup d'autres, hein. euh, notamment des, des, des phrases assez rablaisiennes, avec une accumulation, bien sûr, d'adjectifs, de, de, c'est souvent très drôle aussi. J'espère qu'un éditeur... Français de France, français hexagonal, aura le courage de publier quelques-uns de ses textes dans la langue extraordinaire qui est celle de Kerouac en français, entre guillemets, mmh. et qui, euh, qui est une sorte de langue hybride entre le, euh, le, le français, l'anglais et un français qui a des archaïsmes que, que, que nous trouvons très beaux. Par exemple, la première phrase de Sulchemin, mmh. c'était dans l'octobre de notre vraie vie bardasseuse. Vous voyez une vie bardasseuse. Voilà ce qu'il crée ou oui. récupère, je ne sais pas. Donc, euh, Kerouac, un grand styliste. Je, hum. Ce serait pour moi euh, mon mot, modestement, mon mot de la fin. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. <laughs> Merci José Camono.